Welcome to What is School of Languages. In this lesson, we shall have a look at localization and movement, or how to locate things in a space and how to make movement. Let's quickly look at. So, situer les lieux dans l'espace, locate places in the space. By the end of this lesson, the people will be able to identify places, places, vocabs, to conjugate aller plus prepositions to describe a place. Lieu, lieu, places, vocab. Les lieux, première partie, places, part one. La ville, the town. Le village, the village. La campagne, the countryside. La mer, the sea, la mer. La plage, the beach. La rivière, river. Le lac, the lake. La montagne, the mountain. Le camping, the campsite. L'hôtel, l'hôtel, the hotel. Let's have a look at the words again. La ville. Je vais à la ville. I am going to the town. Le village. Je vais au village. I am going to the village. Now I'm reading the words. La campagne. La mer. La rivière. Le lac. La montagne. Le camping. L'hôtel. Now let's read the words below the images. You read after me. La ville. Can you repeat? La ville. Le village, la campagne, la plage, la rivière, le lac, la montagne, le camping, l'hôtel, l'hôtel. Let's continue. Formation of sentences. Example, je vais à la mer pour les vacances et je vais dormir à l'hôtel. Je vais à la mer pour les vacances et je vais dormir à l'hôtel. I am going to the sea for the holidays or the seaside and I'm going to sleep at the hotel or I will stay at the hotel. Nous allons au lac pour passer l'après-midi. Nous allons au lac pour passer l'après-midi. We are going to the lake to spend the afternoon. Note, if you are using a feminine word, you use à la, for example, à la mer. If you are using a masculine word, you don't use à la, but au, for example, au lac. Je vais à la campagne dans un camping. Campagne is feminine, so you use à la. I am going to the countryside in a campsite. Je vais au camping. I'm going to the campsite. You see, oh, camping is a masculine word, so use O. And campagne is a feminine word, so use ala. Have a look at the videos on prepositions to know how to use them with places. Example, je vais à la campagne avec mes parents et mon oncle et je vais rester dans un hôtel. Je vais à la campagne avec mes parents et mon oncle et je vais rester dans un hôtel. I am going to the countryside with my parents and my uncle and I'm going to stay in a hotel. Les lieux, deuxième partie, places part two. L'immeuble, the block of flats, l'immeuble. L'aéroport. La banque. The bank, la banque,
L'église, the church, l'église. Le bâtiment, the building, le bâtiment. La piscine, the swimming pool, la piscine. La salle de sport, the gym, la salle de sport. Le théâtre, the theater, le théâtre. L'hôpital, the hospital, l'hôpital. Let's have a look at the words again. Repeat after me. Répétez après moi. L'immeuble. Can you say that? L'immeuble. L'aéroport. 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 La banque. L'église. Le bâtiment. La boîte de nuit. Le centre-ville. La ferme. La patinoire, la salle de sport, le théâtre et l'hôtel. All right. Formation of sentences. Examples. Elle va à la piscine avec ses amis dimanche matin. Elle va à la piscine avec ses amis dimanche matin. She's going to the swimming pool with her friend Sunday morning. J'attendrai au centre-ville ce soir à 18h. J'attendrai au centre-ville ce soir à 18h. I will wait for you. Je t'attendrai au centre-ville ce soir à 18h. Je t'attendrai ce soir au centre-ville ce soir à 18h. I will wait for you at the town center this evening at 6 o'clock. Nous nous marions à l'église le mois prochain. Nous nous marions à l'église le mois prochain. We are getting married at the church next month. We are getting married at the church next month. Où est le centre-ville? Où est le centre-ville? Where is the town center? Où est le centre-ville? Où est l'église? Where is the church? Où est l'église? Where is the church? Où est la banque? Where is the bank? Où est la banque? Where is the bank? Les lieux, troisième partie, places part three. La maison, the house, la maison. La bibliothèque, the library, la bibliothèque. Le cinéma, the cinema, le cinéma. Le musée, the museum, le musée. Le bureau, the office, le bureau. Le parc. Le parc, the park. Le jardin public, also the park. Le commissariat de police, police station. Le commissariat de police. La poste, the post office, la poste. Le centre commercial, the shopping center, or the mall. Le centre commercial. Le zoo. La mairie, the town hall, la mairie. Le bar, or the pub, le bar. Un café, or un bar, un café, or un bar. Où est le café le plus proche? Where is the nearest bar? Let's read the words again. La maison. Repeat, la maison. La bibliothèque. La bibliothèque, le cinéma, le musée, le bureau, le parc, le commissariat de police, la poste, le centre commercial, le zoo, la mairie, le bar, un café, où est le café le plus proche? Où est le café le plus proche? Where is the nearest bar? Où est le café le plus proche? Let's have a look at the word once again. La maison. La bibliothèque.
You read after me. Le cinéma, le bureau, le parc ou le jardin public, le commissariat de police, la poste, le centre commercial, le zoo, la mairie, le bar ou le café. Forming of sentences. Examples. Je vais emprunter un livre à la bibliothèque. Je vais emprunter un livre à la bibliothèque. I am going to borrow a livre at the library. Tu dois poster une lettre à la poste. Tu dois poster une lettre à la poste. You must post a letter at the post office. You must post a letter at the post office. Veux-tu aller au cinéma demain soir? Veux-tu aller au cinéma demain soir? Do you want to go to the cinema tomorrow evening? Le musée est ouvert tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Le musée est ouvert tous les jours de la semaine sauf le dimanche. The museum is open every day of the week except Sunday afternoon. These are the sentences or the places vocab. They are not all. You have few, you have mentioned few. There are lots. But in this lesson, this is what we are bringing you. You can also list some that you know below the page and submit so that we can also help you pronounce them. In the next lesson, we shall have a look at an interesting lesson. So do not miss it out. Join us and be globally competitive. Merci. Au revoir.